Créateur de cet imaginarium, qui est un lieu architecturé et scénographié par moi-même sur à peu près 800-850 mètres carrés. Donc c'est un spectacle sensoriel, un grand laboratoire qui au départ, quand on l'a créé en 2012 pour la première édition en 2013, était dédié entièrement à la bande dessinée. Donc il y a des dessinateurs qui prestent en direct. Donc ils n'ont absolument pas vu le lieu avant, ils le découvrent un quart d'heure avant la session. Il y a un musicien qui preste également en direct, qui adapte sa musique en fonction du dessin qui se fait, qui se crée en public, en fonction de l'ambiance aussi. Et il y a du vidéomapping qui reprend l'univers du dessinateur, donc qui a été constitué sur base des bandes dessinées, plus spécialement d'une bande dessinée, choisie par l'auteur ou par nous, en fonction des désirs de chacun. Et il y a aussi du vidging. Donc les dessins sont captés à travers des tables lumineuses. Le dessin est redressé, remis à l'endroit, et projeté et mixé en fonction de l'évolution du ou des dessins des dessinateurs avec l'univers, le vidéomapping qui se fait exactement en même temps. On peut dire que c'est unique et je peux reprendre la phrase de Enki Bilal en fin 2012. Puisqu'on l'a sollicité pour une session, qui a son agent était là, il a regardé son agent, il a dit écoute, c'est une première mondiale, je veux en être. Voilà. Donc, et ça reste jusqu'à ce jour, c'est unique. Alors le vidéomapping, c'est une technique qu'on connaît. Il y a énormément de villes qui font des événements comme à Nancy par exemple, Bordeaux pour du mapping de façade. Il y a le Ghent Festival aussi qui s'est déroulé il y a 2-3 semaines à Gand. Mais dans l'utilisation qu'on en fait, c'est vraiment exceptionnel, c'est une première. Alors, la Comics Factory, c'est le point de départ de l'Imaginarium. En fait, c'est l'idée est partie de la Comics. C'est un concept de Fabrizio Borini. C'est un grand atelier bande dessinée. Il a démarré en 2013. Et c'est de ça qu'on a imaginé l'Imaginarium. Voilà. Alors on a mis en place cette idée, cet atelier, cette factory de la bande dessinée en 2013, comme je viens de le dire, et avec la Forzinothèque et la bande dessinée plus classique, planche, case, telle que tout le monde la connaît dans les bandes dessinées. Voilà, donc la Comics Factory en cette année a évolué avec le BD binaire, qui est une idée de Olivier Sève, comme on le voit derrière moi, qui travaille sur des Cintiqs Wacom, et plus précisément la Compagnon Hybride, qui est un tout nouveau modèle qui permet de travailler le turbomédia. Donc voilà, le stand de la Comics Factory évolue au fur et à mesure de la foire du livre. Ici, on a commencé en installant, on a créé un début de cadavre exquis, donc chaque auteur va commencer. On a d'abord un scénariste qui a commencé avec un pitch de départ et chaque auteur va créer l'histoire au fur et à mesure de case en case pour arriver vraiment sur la fin, à essayer d'arriver sur une fin d'histoire. En même temps, il y a le mur du milieu. Chaque auteur qui passe sur le stand est invité à venir faire son autoportrait. Donc ça aussi, au départ, on a fait 3 portraits et puis après, ça évolue depuis hier et jusque lundi. Le mur derrière, même chose, là c'est dessin plus libre et pour faire un cadavre exquis aussi, donc chaque personnage va venir créer une histoire petit à petit. Et c'est vraiment ça, c'est tous les auteurs qui viennent ici, on crée un magazine par jour, tout ça est vraiment pour, avec la base de la Comics Factory de Roberto et l'Atelier 24 dont je m'occupe. C'est vraiment promotionner les jeunes auteurs et laisser un champ d'expression sur un stand qu'on ne pourrait pas s'offrir. Et voilà, donc la Foire du Livre nous offre ça pour essayer de faire exploser un peu la bande dessinée et les médiums qui sont ici, donc de s'exprimer sur des murs, ce qu'on d'habitude on est sur nos pages à dessiner. Donc voilà.